CUA descendent des agents du BMH et des inspecteurs d'hygiène. Les règles d'hygiène sont loin d'être respectées par les gargotiers et restaurateurs, ont constaté les équipes du BMH et les inspecteurs d'hygiène lors d'une descente qu'ils ont effectuée sur la place du marché de Mahamasn aujourd'hui. Cette descente inopinée a pour raison d'être de contrôler les conditions de préparation des repas offerts aux clients pour prévenir les risques encourus en termes d'intoxication. Il s'agit donc d'une question de santé publique. D'après les explications du docteur Brigitte Rakoutslouf, chef de service du BMH, qui fut à la tête de cette délégation, les règles d'hygiène alimentaire imposent notamment le port du tablier, de gants et de masques. Ils ont également vérifié la salubrité du cadre et autres détails importants concernant l'utilisation de poubelles avec couvercle ou de réservoirs d'eau avec couvercle. Bien évidemment, les restaurateurs n'ont pas échappé au coup d'œil attentif de ces inspecteurs sanitaires. Celui-ci a notamment reçu des critiques sur la hauteur de son plafond et le nombre de ses fenêtres. L'équipe du BMH et les inspecteurs d'hygiène viendront vérifier la semaine prochaine si les instructions qu'ils ont émises ont été suivies à la lettre.